Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Diablo 3 Reaper of Souls, donc Diablo 3 l'histoire, hein, vous voyez ça comme vous voulez. Donc nous continuons donc sur les hautes du sud, toujours à combattre des Khazra, donc les hommes vachettes. Hein. On a trouvé le sceptre la dernière fois, voilà, avec le sceptre. Semble qu'on ouvre. Khazra Zarkash. Hop. Voilà, une fois qu'on a ouvert la porte et qu'on a tout défoncé, on continue, on se bouffe un piège, c'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Pas encore. Couchez-vous. Couchez-vous. Non mais vous respectez mon autorité. C'est bon. Vois le mage, tu vas te faire enlever. Voilà, tu es plus d'accord avec le bâton maintenant. Ce n'est pas assez de colère, ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt, je suis pas prêt. Oh les pièges, oh les pièges, oh les pièges. Désolé. Ma colère, ça me nuise. Bon, avec tout ce que j'ai, comment j'ai flashé, ils sont... Bon. Alors, ça, c'est un piège. Voilà. Là, c'est un piège aussi. Là aussi. Bien tenté. Bouffe mon bouclier. Voilà, voilà, ça se passe plutôt bien. Piège. Hop. Voilà. Alors je vous rappelle que dans la rapide, on est tombé un bout de 7 verts, 7 d'acam. Un peu de patience. Bon, moi actuellement, ce qui m'intéresserait plus, ce serait plutôt le 7 de Roland. Roland. Désolé. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Excusez-moi, je suis moitié en colère. Mais bon, là n'est pas la question, il nous faut un petit peu plus d'équipement. Moi je suis toujours bon pour du légendaire que je n'ai pas ou. Là, il y a du gros qui est dedans. Alors en même temps, il y a un jaune aussi. Pas encore. Ah bah, j'ai plus cher. Ah, t'aurais pu m'offrir un peu mieux du jaune, le bleu. Enfin, le. Non, c'est un jaune en plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est elle qui a dit où ? Je manque de colère. Boum ! Voilà, voilà. Oui, je voulais vous parler d'un truc. Je pense que c'est une vidéo d'explication. Parce que c'est pas encore fait. En temps voulu. Voilà. Sinon, de quoi je peux vous parler? Le partenariat c'est déjà fait, tout ça c'est déjà fait. Les jeux à venir, ce sera aussi dans une vidéo particulière. Vous verrez pourquoi je fais ça comme ça, ce sera de façon d'une plus simple. Et de deux, bah, ce sera vraiment trop visitable. Voilà. De fortune, génial, j'espère qu'on pourra tomber sur un coffre. Ah, mieux, on fait un coffre. Un peu de patience. Oh, allez, vous pouvez me tomber un truc. Oh, rien du tout. Ce manque de bol. Il me semble que c'est par là, non, c'est pas par là. Si c'est par là, voilà, point de sauvegarde. À moi, mes bêtes. Je vais déjà me... Ah non, que lui. Personne ne m'approche. Hop, désolé. Désolé, vous ne saurez rien. Boum. Voilà. Voilà, désolé pour toi aussi. Imagine que ça doit faire mal, elle a trouvé la tour du manoir Léoric. On va faire ça comme ça.
Ah. C'est un ennemi puissant qui nous attend là. Fais tes prières, et ma vite. Colère, ça me nuise. Oh voilà, on a réussi à l'avoir trouvé, ça j'avoue. Une épée légendaire apparemment. Il me semble qu'il y a aussi une épée qui pourrait m'intéresser moi, mais je ne sais plus c'est laquelle, de toute façon quand je la verrai, je le saurai. Hop. Cependant la première information qui serait intéressante de savoir c'est si j'ai déjà le skill de cette épée. Oui je l'ai déjà, du coup ce n'est pas cette épée là que je cherche. Voilà. On pourrait peut-être lui enlever vitalité, mais de toute façon niveau force déjà c'est beaucoup moins de choses. Ouais non, elle vaut pas le coup. Elle ne vaut littéralement pas le coup, même si elle est assez puissante. Par contre, elle irait très très bien à d'autres de mes personnages. En l'occurrence, mon barbare, faudrait peut-être que je le monte niveau 70 aussi un de ces 4. Mais bon. Hop. Ces ruines sont belles. Mais quelque chose d'horrible se terre en dessous. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir d'input lag. J'ai l'impression d'avoir une espèce d'input lag. Oh, je les ai flashés pour rien. Ah, le coffre n'est pas là. Où est-il? Ils sont beaux mes archers, n'empêche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je les aime. Ah, il y a des petits lags. C'est bon. J'aurais beaucoup appris de ce combat. Pas moi, ça aurait été assez court à vrai dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu fais comme tu veux. Allons-y. Ah, mince. Alors, le manoir de Léoric, oui bien sûr. Si je le fais des fois pour rien, j'ai envie que je pense à être pour rien, c'est juste pour avoir un entrée fracassant. Ce soir elle est beaucoup plus vieux. Même si je trouve que pour en avoir ça. Comparé à l'image de XC. Rien n'arrête ta croisade. Trylen me pernicieux. Bon. Merci à toi. On va regarder quand même dans les bibliothèques, chers amis, juste pour le plaisir. Ah bah voilà. Ce n'est pas prêt. Bon, voilà. C'était prêt. Ne me dis pas que ce n'était pas prêt. Le résultat était là. Bon. Bah, je dois vous avouer que moi ça m'éclate de retourner sur ce jeu. Ça faisait longtemps que j'y étais pas et ça fait plaisir de pouvoir le reprendre. Même si, bah malheureusement, cette série n'a pas tant de cachets auprès de vous, c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Impossible de l'arrêter! Ce n'est pas un mortel pour massacrer nos frères si facilement! Il est là! Encore venez, des fanatiques! Hop! Ralentissez-le pendant que je prépare sa perte dans les profondeurs. Je suis déjà surchargé. Oh merde. Je me suis déjà occupé d'eux, quoi. Non, je suis déjà surchargé. Ah oui, d'accord. Hop. Voilà. Bonjour, mon bon monsieur. Ils nous ont fait des choses horribles. Ah oui, des tentacules. Avez-vous vu un homme en haillons? Oui. Avez-vous vu un homme à l'homme aux yeux d'or. J'ai vu Magda le traîner vers les salles de torture de Léoric, en bas. Vous avez fait votre devoir, mon ami. Je vais m'occuper de Magda. Elle est aussi inhumaine que ce qu'elle sert. Hop les. Alors, on va rester là. On va chercher le point de sauvegarde qui est dans l'escalier normalement. Celui-ci. Non? Même pas? Ah bon. J'ai peut-être eu, mais je l'ai pas fait gaffe. Hein. Hop. Le voilà. Hop. Ah oui, les salles de l'agonie, alors là on va s'éclater là-dedans. Et du coup on va garder ça pour le prochain épisode les amis. Moi je vais aller rentrer, je vais aller hop, utiliser mon inventaire. Hop, voilà. Crac.
Voilà. Réparer un petit peu mon équipement. Tranchant de magie du sang, je regarde juste deux secondes ce qu'on a à faire. Discipline d'or, oui, non. Rugissement du tard. Brèche sanctifiée, ouais, non, 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 non. Crématorium non plus. Fireball. Dislocatrice. Perfection de oui, non. Prendre là, j'ai les meilleurs niveaux disponibles, j'ai tout, tout, tout. Brodequin de pont, non, non, non. Passage du sage. Capitaine le rouge. Mur d'homme, Pyromarella. Non, ça me semble plutôt bon. Eclipse, ça dit rien, ça c'est marrant. Ça, ça dit quelque chose, oui. Le boom de la loi, forcément, ça me dit quelque chose. Ça pourrait être intéressant d'avoir un meilleur homme de la loi en fait. Si j'en craftais un meilleur, par exemple avec vitesse d'attaque augmentée, avec chance de blocage, avec chance de critique et avec force, ouais, ça prend déjà les 4, c'est vraiment... Ah, ça, faudrait voir. Tâche de vélocité, mantelé, oui, d'accord. Les habits de Kane, d'accord, d'accord. Compris de Skellon, oui, forcément. Stock du capitaine. Je regarde ce que j'ai, chers amis. Hein. Des fois que. Non. On va ranger cette épée parce que je sais pas si elle va être utile à mon barbare plus tard. Ah, j'en ai pas, je pense que j'en avais déjà une dans le coin. Je vais la mettre là, hop. Et moi les amis, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre aussi le groupe... Hop, où est-ce qu'il est coulé là? Loot to Win. Vous pouvez le voir en haut. Donc pour l'instant, il y a ça, il y a les membres. Chez les membres, voilà, on n'est pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens!